Bonsoir, maman Sarah. Que la paix du Seigneur soit avec toi et sur toute ta famille. Je viens te raconter mon songe que j'ai eu par la grâce du Seigneur le 2 mars. Avant le songe, mon père a dit qu'il faut que je commence à prier dans mon cœur. Même quand je suis à l'école, sans retravailler. Et j'ai commencé à prier dans mon cœur. Je priais dans mon cœur. Il a dit que je commence à dire merci Seigneur. Je commence par dire merci Seigneur. Je commence à dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et le soir arrivé, je me suis mis en genoux dans ma chambre pour prier. Le Seigneur me montre une vision. Comment les gens qui n'appellent les enfants et qui n'appellent les enfants les filles pour partir manger leur chair et boire leur sang et étant repris que le Seigneur les pardonne. Étant repris que le Seigneur les pardonne. Qu'il les pardonne vraiment. Et le songe que j'ai eu, dans le songe, il me retrouva à Japoma, au carrefour du réveil. Je vois, j'entre, je n'entre pas dans la salle, mais je suis là, devant la porte. Je n'entre pas. Je vois ma mère Elisabeth assise sur la chaise. Elle fait la Bible sous ses pieds et elle ne lisait pas. Elle ne lisait pas la Bible. Je ne sais pas ce qu'elle attendait. Comme si elle attendait quelqu'un qui devait venir. Quand elle a entendu le bruit de la voiture de la personne, elle a commencé à appeler ses autres soeurs en Christ qui étaient à la cuisine. Qui étaient à la cuisine. Et ils ont commencé à se préparer. Ils s'habillaient bien, bien. Ils ont retiré les vieux cabas qui étaient sur eux-là. Ils se sont habillés bien, ils ont, sur elles. Ils ont mis le parfum. Ils ont brossé les dents. Ils sont bien oints. Ils ont attaché le foulard bien, bien, bien. C'est comme ça, quand la voiture est arrivée, la voiture s'est garée devant le pont. S'est garée devant le pont. Et personne n'est sorti. Et puis, le frère Junior a apparu. Il y a eu un tourbillon devant la voiture. Et quelqu'un était dans ce tourbillon-là en train de descendre doucement, doucement. La personne descendait doucement, doucement, doucement. Et quand la personne a mis ses pieds au sol, le frère Junior a dit, « Il a mis ses pieds à Japoma !» Il commence à crier, « Il a mis ses pieds à Japoma !» On criait, « Il a mis ses pieds à Japoma !» Les gens sortaient de nulle part. Ceux qui étaient à Yaoundé marchaient à pied, pas Foussam, ils marchaient à pied seulement. Ceux qui étaient dans le pays étranger, ils prenaient l'avion. Les aéroports étaient saturés. Il y avait l'embouteillage. Il y avait l'embouteillage. Même dans les quartiers où il y avait l'embouteillage, il y avait l'embouteillage. Dès qu'ils sont entrés maintenant dans la salle, il y a certains gens dans la salle qui ne supportaient pas la présence du Seigneur. Ils ne supportaient pas la présence. Ils voulaient fuir, mais ils ne pouvaient pas fuir. Maintenant, les femmes, maman Elisabeth et ses sœurs, ils sont toujours restés là-bas, attendre que les gens qui étaient dans la voiture sortent pour qu'elles les accueillent dans la salle. Dès que la porte s'est ouverte, les gens sont sortis. Le Seigneur voyait le visage pour que je ne vois pas le visage. Ils sont sortis. Seul visage que j'ai pu voir, c'était le visage d'Abraham. Et il m'a dit, ma fille, sois bénie. Voilà ce que... Ma fille, tu es bénie, pardon. Il a dit, ma fille, tu es bénie. Et voilà ce que j'ai eu.